pour ceux qui savent compter. Prenez une de vos mains, comptez le nombre de doigts et vous aurez le chiffre des participants de cette passionnante sortie. La fée Jeannine nous a emmenés au-delà des portes de Villeneuvette. C'était une manufacture royale créée par un marchand drapier de Clermont-Lérault vers 1667 et qui devint sous Louis XIV une manufacture royale de draps. Son but était de dynamiser la vie économique locale et concurrencer les textiles anglais et hollandais au Moyen-Orient. À cette époque, 500 ouvriers travaillaient dans la manufacture. Elle en logeait 200 avec leur famille et les autres travailleurs venaient des environs. La devise de la manufacture est gravée au-dessus de la porte « Honneur au travail » et en dessous « Manufacture royale », mais au moment de la Révolution, l'adjectif « royal » a été buriné. En 1803, la famille Mestre acquiert la manufacture qui est en pleine expansion. C'est avec une préparation minutieuse qu'elle nous a conté l'histoire de ce village voué à la confection de draps. Culture, botanique et cerise sur le gâteau, un jeu avec son GPS. Une chasse au trésor, appelée géocaching, qui existe dans le monde entier. C'est accompagné d'un soleil inattendu et bienvenu que nous avons parcouru les chemins où se mariaient les arbres, les plantes, les fleurs, la plupart en dormance. La première plante sur laquelle nous nous sommes penchés, c'est la salse pareille. Une liane qui s'accroche à ses voisines, aux feuilles en forme de cœur plus ou moins allongées et aux fruits rouges toxiques. C'est l'herbe des schtroumpfs. Et parmi nous, une nouvelle venue, Véronique, une collègue de Pascal. Nous avons rencontré les deux variétés les plus courantes du cyprès toujours vert, la variété pyramidale et la variété horizontale. Le cyprès a des feuilles en forme d'écaille et un petit cône dur. Son pollen est très allergisant. Nous sommes arrivés au pont de l'amour. Construit pour amener l'eau d'une source voisine jusqu'à la manufacture. En effet, il fallait traverser la Dourbie, petite rivière qui passe tout près. Une première étape et un trésor caché au pont de l'amour. En fait, un aqueduc où les amoureux devaient, main dans la main, chacun sur chaque bord du canal central où l'eau coulait, arriver au bout sans encombre. Et si la jeune fille n'y arrivait pas, c'est à l'eau que la romance chut. Devant les chênes, nous avons révisé tout ce que nous savions sur le chêne vert, le chêne kermesse et le chêne pubescent. D'abord, le feuillage. Le chêne vert a des feuilles blanchâtres dessous, alors que le chêne kermesse les a vertes sur les deux côtés. Quant au chêne pubescent, la forme de ses feuilles est totalement différente des deux autres et il n'est pas du tout épineux. Le chêne vert et le chêne pubescent ont des fruits à cupule non épineuse, alors que le chêne kermesse a une cupule épineuse. Et ses glands sont plus gros que ceux des deux autres. À noter que le chêne pubescent a un feuillage marcescent, plus ou moins jusqu'au printemps. C'est-à-dire qu'à l'automne, ses feuilles deviennent marron, mais restent sur l'arbre. Voici les trois bruyères que nous avons rencontrées. La multifleur, la cendrée et l'arborescente. La première a des fleurs rosées, la deuxième des fleurs violacées et la troisième des fleurs blanches. La multifleur et l'arborescente ont des aiguilles collées une par une, alors que la cendrée a des aiguilles groupées en touffes sur la tige. On a trouvé une autre éricacée, la calune vulgaire, qui elle se reconnaît à disposition de ses feuilles en écailles. Ah, ouf, fais voir la boîte. Il faudrait une deuxième caméra pour la voir sa figure. Ta-da! Le trésor du pont de l'amour.
Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est trop dur. Oh, que c'est mignon. Alors, on a un petit Père Noël. Oui. Oh. Alors, tu as le droit d'en prendre un, hein, je mettrai un truc à la place. Ouais. Hein. La bonne humeur et la découverte de ces lieux à la végétation luxuriante nous a amenés dans l'enceinte d'un grand bassin, autrefois alimenté par plusieurs canaux. Les teintures occasionnaient de grandes réserves d'eau. À la fin du 19e siècle, introduction de la vapeur pour faire fonctionner les machines, puis l'électricité. Près du bassin, nous avons trouvé une poacée, l'Ampelodesmos de Mauritanie, dont le nom signifie « lien pour les vignes ». C'est une plante protégée au niveau national en France. La station de l'Hérault, sur la colline en face de Villeneuvette, découverte en 1991, est la plus importante. La plante ressemble à l'herbe de la pampa. Elle peut atteindre 3 mètres de hauteur. Les feuilles, vert foncé, coupantes, enroulées sur les bords, rudes au toucher. La ligule est à bord ciliée. L'inflorescence est une panicule dépliée de 2 à 5 fleurs, vert-jaune en mai, puis qui vire au doré à l'automne. Elle pousse sur des terrains calcaires. La plante est utilisée en Afrique du Nord pour faire des nattes. Un buffet d'eau, un haut mur en demi-cercle avec une espèce de grand bénitier amenait l'eau et une margelle l'encerclait. Cette eau servait à entretenir un jardin à la française et les petits jardinets des habitants. Oui. Sur le buffet d'eau, là ? Ah oui, alors c'est quoi ? Il y avait 800 personnes qui y travaillaient, mais 200 étaient à demeure. Et le soir, après une certaine heure, les portes du village fermées à clé permettaient aux habitants un repos tranquille. Et tant pis pour ceux qui oubliaient l'heure dans des bras plus lointains. Les anciens bâtiments des draperies sont en ruine, dominés par une cheminée en briques de terre cuite, fruit d'un beau travail. Au bord du jardin potager se dresse un magnifique figuier que j'appellerai sauvage ou capri-figuier pour ne pas contrarier Patrice et qui portait des petites figues que l'on appelle figues pouponnières car elles contiennent les larves du blastophage nécessaire à la pollinisation de l'autre figuier, le figuier cultivé. C'est avec les yeux d'Alice au pays des merveilles que nous avons déambulé dans les ruelles de ce charmant village. Plusieurs chemins mènent les marcheurs à divers endroits, dont Mourez. Rome, je n'en suis pas sûre, mais... Les ouvriers reçoivent le droit à l'instruction et à l'assurance sociale. Dès 1803, l'obligation scolaire est établie pour tous les enfants jusqu'à 12 ans. 2 instituteurs dispensent l'enseignement élémentaire dans l'école communale. La journée des ouvriers commence à 5h30 le matin par un appel au tambour et se termine à 5h le soir. À partir de 21h, on ferme les portes et les ouvriers sont tenus de passer la nuit dans l'enceinte de Villeneuvette. La place rectangulaire, appelée place Louis XIV, a été construite à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. La fontaine abreuvoir, au centre, date probablement du XVIIIe siècle. Elle est recouverte d'une fougère appelée cheveux de Vénus. C'est de Montpellier, non ? Oui. C'est quoi ? C'est la fougère de Montpellier. Est une jolie fougère que l'on trouve près des sources. Ses feuilles pétiolées ont un limbe vert clair, 2 ou 3 fois divisé en forme d'éventail. Les lobes sont repliés pour protéger les groupes de sporanges. C'est une plante vivace. L'ancien pigeonnier est aujourd'hui la mairie. Une partie des étendoirs a été transformée en aire de jeu où nous avons pique-niqué. Au terminus du pique-nique, dégusté dans la verdure et le calme, Janine nous a informé des conditions de travail des habitants à l'époque. Au-dessus de nous, la maison du maître, reconnaissable à son campanile. Même l'aire de stationnement a fait la surprise de féviers d'Amérique aux redoutables épines. Le feuillage étant caduc, la seule façon de les reconnaître a été un morceau de gousse trouvé à terre et les épines
sur les branches. D'où son surnom de févier à trois épines. Ces épines, autrefois, étaient utilisées pour manger les escargots. Les feuilles sont composées de 14 à 32 folioles. Les fleurs sont petites, jaunâtres, en grappes mâles et femelles, séparées mais sur le même arbre. Le fruit est une longue gousse qui peut atteindre 35 cm. Et près des féviers, un fusain d'Europe. Un arbre qui peut atteindre 7 mètres. Il a des feuilles opposées, persistantes, et des rameaux quadrangulaires. Ses fleurs blanches sont petites, en panicule, aux aisselles des feuilles, à odeur désagréable et à pétales assez écartés. La forme de son fruit rose lui a donné son surnom de bonnet d'évêque. Attention, les graines sont vénéneuses. Le bois sert en marqueterie et les branches carbonisées donnent le fusain pour le dessin. Au XIXe siècle, les besoins en énergie hydraulique étant devenus considérables, il fut nécessaire de doubler le premier réseau d'eau par un nouveau qui captait l'eau sur la commune de Mourez. C'est là que le deuxième trésor fut découvert par les grands enfants que nous sommes restés. Oh, oh, ah, elle a trouvé la boîte, hein. Nous sommes revenus par les bois où se trouvait la troisième cache. Tout le monde s'est mis à chercher un tronc d'arbre dans lequel devait se trouver la boîte. Nous avons bien trouvé le tronc d'arbre, mais il était vide. En 1954, la manufacture cesse toute activité. J'appuie sur le même bouton ? Pardon ? J'appuie sur le même bouton ? Oui.